Hey yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Satisfactory. Avec le son du jeu cette fois s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas rien fait. Ah. Je n'ai pas rien fait entre les deux épisodes, d'ailleurs je crois que je ne suis même plus du tout au même endroit, donc ça peut vous prouver que je n'ai pas rien fait. Mais on s'en fout. Surtout, j'ai fait en sorte d'avoir des tickets imprimables, des tickets de loterie. Non, c'est pas ça. Ticket de broyeur qu'on va imprimer de suite. Hop. Je l'ai pris. Et même avec un petit succès, voilà. On avait besoin de ces tickets pour débloquer. Waouh, ça c'est. Oui. Putain, une fume, ils ont pensé à ça. Pour cette gestion. Ça. On va mettre ça. Ah, j'aimerais bien avoir ça aussi, mais ça coûte 3. Mais c'est impeccable, j'en ai 6. Allez. On rack. Et... As Fixit amply demonstrates, you can never have too much management. Et voilà, maintenant on a tout ce qu'il faut pour nos constructions. J'ai également... On va voir sur le chemin. On va faire ça sur le chemin alors. Je vais vous montrer, j'ai normalement préparé tout ce qu'il faut. Bon, je peux pas. Ça, voilà. Pour. Ah oui, mais c'est con, ça me fait un tab. Pour les constructions, c'est-à-dire, j'ai fait des rotors, donc pour les. Les centrales à charbon. Et j'ai également fait. Ils sont où oui, les tôles de cuivre pour pour les pipelines. Et j'ai fait des plaques de fer renforcé aussi hein, pour les centrales de charbon. Pareil, hein, tout ce qui est pompe à eau. Et pour le MK2. Let's go, c'est parti, on va aller construire tout ça. Excusez-moi, j'en profite pour moucher, donc de temps en temps je coupe le son. Donc on fait le chemin, donc on va faire là dans un premier temps. On va utiliser une seule foreuse, bah comme je disais la dernière fois, on va utiliser l'équivalent d'une seule foreuse à charbon. Hop, voilà, c'est mieux si on voit un peu plus devant nous. Donc on va installer l'équivalent, je crois que c'est 2 pompes encore. 2 pompes à eau et 7 centrales. 7, oui, 7 centrales. J'installerai le MK2 bien évidemment, et comme j'ai pris les nouvelles techno là, les voilà, convoyeurs verticaux, je vais pouvoir faire passer tout ça facilement. D'un étage à l'autre, oui, parce que j'avais laissé un sous-étage, bon, on verra, de toute façon on va revenir là. J'espère que j'ai tout pris surtout. J'espère ne rien avoir oublié. C'est comme les listes de courses, ça. Tu fais ta liste de courses et t'oublies de mettre un truc sur la liste, et là tu fais un... Non... J'y retourne de suite ou la semaine prochaine? Ah, ça dépend. Soit vous êtes, comme moi, en campagne, soit vous dites... Bon, j'y retourne dans une ou deux semaines. Ou si vous êtes à un endroit ou un peu en ville, bon là vous dites, oh, c'est en bas de chez moi. Je sais que nous les deux, donc... plutôt pratique. Allez, plaçons dans centrale à charbon. 2, 3, 4. Ah, c'est con ça. Voilà. 5,
6. Oh, bah dis. Chier ça. Non, c'est pas ça que je veux. Je veux pas ramasser. Espace insuffisant, c'est ça? Bah non, j'ai l'espace suffisant en plus. J'ai pas le droit de ramasser? C'est quoi ce délire? Allô? Ah oui, non, mais là je suis en. Espace insuffisant pour feuilles. Mais j'en ai déjà là? Oh mon vieux. Comment? Tous les coups, ouais, il doit y avoir du bois avec. Bah oui, c'est ça. J'en étais à combien donc? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, la dernière. Vite. Impeccable. Donc on a nos 8. Oh, c'est vraiment tout pile. Hein. Les autres, ils sont pas passés au même endroit. Donc. Bon, là, c'était un peu barbare. On va mettre un. C'est totalement barbare. On va mettre tout ça en top. D'ailleurs, je vais pas mettre de suite en stock. En stop, en vrai, ça, je vais mettre à l'arrêt. Je vais prendre mon tuyau, je vais juste vider là. Et sinon, on surchauffe la machine. Ça arrive, regarde, ça se remplit gentiment. Ça va te remplir avec un. Alors, plaçons. Donc on a un total de 360 et je crois que ça a une capacité de 300 uniquement. Ouais, pas de bol. C'est toujours un peu chiant ça. Mais bon. On va faire avec. Ah, j'ai pas là. Oh, c'est chiant. Bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que ici. Voilà. Mon jalon ici, là. C'est chiant ça, c'est une merde. Voilà. Premier jalon. Alors. Voilà. S'il vous plaît, je peux pas remonter. D'accord, très bien. J'ai pas le droit de monter là. Ah ouais, d'accord, ouais, c'est super. C'est con ça. Je suis totalement bloqué du coup. Hop. Allez, là, va falloir être bon. Ce que je ne suis pas, apparemment. Mais c'est totalement débile, ça. Fais chier. Je peux passer par en dessous, je peux nager. Tu peux passer par là? C'est terrible. Ah! Help! Aidez-moi, please! Non, c'est pas des feuilles que je veux. Ok, donc. On va faire tout ça là. Ça. À peu près droit. Comme ça on sort les pompes là, toi. Tac, oh, ça va peut-être faire beaucoup là. Conso, capacité. Prod. Ah, c'est bon. Non, est-ce que d'être limite? Non, c'est pas ça. Donc ensuite va falloir placer tout le passage.
Ouais, mais après je peux pas descendre. D'accord. Ça, ça va être du MK1. Non, c'est là-dedans. Là, je suppose que ça arrive direct. J'espère. Ce serait un peu couillon aussi. Ok. Ah ouais. Alors bien fait passer par en dessous, mais ça va être compliqué. Ça se vide au fait un jour ça. Ça consomme si peu. Ouais, ça se vide hein, mais. Tranquillement quoi. Ce que je vais faire c'est. J'avais des coffres là. T'as dans les coffres. Là. Voilà, ça dans le coffre, ça dans le coffre. Ça devrait suffire. Surtout que je fais ça. Pour les refoutre là-dedans. Franchement. Le but là, c'est de les faire passer dans le sol. À quel niveau ça? On a été un peu gourmand. Ce qui va être chiant, c'est l'eau. Ah ouais. On verra. Donc je disais, toi tu vas genre là. Ça. Ah. Là. Ça. Ah mais j'ai pas pareil pour l'eau. Je viens d'y penser. Oh zut. Oh. J'ai pas les passages pour l'eau. Ce sera à faire plus tard. Ouais, les pipelines pour l'eau. Moi je le ferai plus tard. On va déjà vérifier si ça fonctionne bien pour le charbon. Donc toi j'ai envie que tu ailles à peu près ici le charbon. Comment tu veux, comme on disait. Tac. Hop. Ah, ça sera du MK2 à terme. Quoi? Ah, j'ai pas mis dans le bon sens. Tiens, d'ailleurs, je vais mettre le rab de charbon là. Oh. Là, ça descend. Là. Tac. Et là, j'en ai 8. Donc comment que je me débrouille? Comme ça, hein.
Là j'en mets un, je le divise en deux et j'en fais partir ouais. Ouais, on va faire comme ça. Donc on a un répartiteur, j'essaie d'être à peu près. On a dit que c'était là. Hein. Oui. Un répartiteur comme ça. Un. Comme ça. Pour le reste, on sait qu'on a pile la prod, donc je peux le mettre en ligne droite, c'est pas un souci. Une. Ah! Alors oui! Mais encore faut-il remplacer les convoyeurs verticaux là. Les passages, hein, convoyeurs verticaux, t'as vraiment. Deux. Cinq. Sept. Impec. Tac, c'est ça. Oh, j'ai pas été bon, j'ai vraiment pas été bon. J'ai pas les yeux en face des trous, comment dire. Partiteur, entrez là. Ah oui. Peut-être placer ça. Ça, c'est dans le bon sens. D'accord. C'est dans le bon sens. Là j'en suis à combien? Là j'en suis à 2. Moyen que je me raccroche à ça, ouais. Et 4. On a fait les 4. 1, 2, 3, 4. Impeccable. Et là. Voilà. Alimenter en flotte, la flotte ce sera temporairement pas terrible. Combien donc c'est 120, 120, 50, ah oui 45. Ouais, je vais devoir doubler la ligne, ça c'est chiant. Mais bon. Donc, on va faire un truc simple. Pour l'instant, on va faire comme ça. Non, je n'arrive pas à voir d'où est-ce que je suis. Oui. Ok.
consommer, mine de rien, de la pipeline. Heureusement que j'en ai fait en rap. Je me suis dit, au début j'étais parti sur 200, je me suis dit, on sait jamais que je vais en prendre plus. Je crois que j'ai bien fait d'en prendre plus. Ok, mine de rien. Alors tu vas me dire, oui là c'est 1, c'est 2, c'est 1, c'est 2, mais bah 1 plus 2 plus 1 plus 2, ça commence à faire 6 quoi. Hop. Hop, ok. Donc là, je vois pas grand chose. C'est quoi la touche pour la lumière? J'ai bu. Help, la lumière. T. Non. J'étais persuadé que c'était ça. Bon. Bon bah merde. Je peux danser. Waouh. Waouh, ça c'est de l'applaudissement. Waouh. Bref. Tab, attends, mire, B, ouais voilà, totalement nul. Donc, on va dire que le premier arrive là. Oui, bah oui, je sais, pas beaucoup d'eau quoi. Bon après là, ça sera censé m'en envoyer ça, au bout d'un moment quand même. Tiens d'ailleurs, j'ai pas fait les alim, ils sont où? Par où c'est alimenté? C'est alimenté par là. Ok, très bien. Donc on va en profiter. Donc, ça c'est... Merde, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas grave. Hop. Ok. Allez, non, c'est pas bon ça. Ok, donc pile là, je crois. Moi, j'avais aussi refait du câble au cas où, toujours. Bah, le cas où il a. Bon, là, tu me diras ça. J'en avais repris pas mal, je crois que j'en avais 200 à la base ou un truc comme ça. 200 ça aurait été limite, parce que là... J'ai bouffé 150. Ok, on est bien alimenté. On va voir. Et... Bon. Voilà. Tout ça, ça nous produit. Peut-être devoir booster au début avec un peu de biomasse. Tac. Allez, voilà, toi. Quoi? Un joueur bloque le. Comment ça? Tac, tac, tac. Il faut que je double mon eau. Je peux essayer comme ça. Ouais. On va le faire un peu la barbare au début de la flotte, hein, au moment où on n'aurait pas. Ah c'est cool. On va voir ce que ça va donner. Ça va être à peu près pas trop dégueulasse non plus quoi. Voilà. Alors on est là. Ah bah.
Voilà, c'est bon. Tac, 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 tac. Tac, tac. Ah bah attendez. Ah. Auto. 2D auto. Courbe. Horizontale, verticale. Oh là. Ça marche moins bien que les convoyeurs. Résolument moins bien que les convoyeurs. Bon, va falloir faire tourner un peu ces machines là. Je suis pas sûr que là ça marche si je... Non. C'est du feu. Je vais mettre deux brûleurs là. Ça fait quoi là? Hop. Y'a pas un... Oui. Ça lui fait, là. Hop, j'ai de la biomasse quelque part, non? Oh merde. J'en ai plein autour de moi. Faut pas que ça tourne longtemps, hein. Franchement, une minute à mon avis ça suffira. Hein. Très bien. On va prendre ça là. J'ai vu qu'on avait ça. Allez, biomasse. Voilà. 48, là on va faire 25-25. Je sais pas quelle est la puissance énergétique de ce machin, mais ça devrait tenir un petit moment suffisant du moins. Je vais envoyer ça dans les brûleurs de biomasse. Ça en divise en deux, c'est pareil. Voilà, comme ça. Toi tu prends ça, et toi tu prends ça. Et là on va voir si on peut relancer. Ça a l'air de tourner. Ça a l'air de bien se remplir les pipelines. Les moins remplis vont être au milieu et petit à petit ici ça va se remplir la déc... Oh non, pas ça, je suis bloqué. Voilà. La déclue sera... C'est pas roi? C'est pas roi du tout. Non, on s'en fout, de toute façon ça va changer. Déclue sera remplie, ce sera bon. J'ai un doute sur le fait que ça soit alimenté. Là, ça va commencer à produire tranquille. Voilà. Ça remplit, on voit. Ça commence à remplir celui-là. Et vu que tout a la même taille, ça remplit un peu tout. Hein. De manière homogène. Ouais. Par contre, il va rester bas un moment. Alors, le temps de monter et... pour voir ce que ça donne. Oh merde, j'ai pas été bon. Voilà. Oh, où ça? Ah, oh. Donc, on voit que ça se remplit pas trop mal, petit à petit, mais pas trop mal. Il y en a aussi qui vient de là, mais très peu en fait. Normalement, la majorité est utilisée sur les autres centrales. Après, ça dépendra aussi de à quel point sont alimentées mes centrales là, en charbon. Voilà. Celle-ci va commencer à avoir de l'eau. Pas de carburant, oui, c'est normal. T'en fais pas. Voilà, là, ça se remplit tranquillou. Parce que mine de rien, là, ça part aussi là-bas. Hein. Et y a tout qui va se remplir petit à petit. Voilà. Bon, le temps que ça se remplisse en eau, là, j'ai vu que partout ça avait l'air d'être ok en eau. On va relancer. Oh merde, j'ai pas relancé la prod de charbon. Il
toi vite. Avant que j'ai plus de... Oh, j'en ai consommé un seul depuis tout à l'heure. Ah ouais, c'est tranquille. Voilà. Tout ça, pour l'instant, ça produit plus que ça ne consomme, donc... On va évoluer. Là, on a un super courrier MK2, MK2. Tout ça, ça va vite. Le MK2. Le... Oh merde. Quoi ? Ouais, et j'avais pris du rab. Franchement, j'avais pris du rab, hein, de tout ça. Bon. Heureusement. Je me suis dit que ça pouvait arriver. Bon, j'avais pris du rab, j'avais pris combien ? Trentaine de rab. Je pense qu'avec une trentaine, je peux terminer. Parce que là, ça arrive pas pile au... Ça arrive pas encore au répartiteur qui divise en deux 120, donc 60 et 60, vu que c'est la vitesse des MK1. Des petits convoyeurs MK1. Et des convoyeurs en pack de fer. Ça en fait c'est bloqué à 60 quoi. Ça répartit pas assez. Donc on disait tac, MK2, là, tac. Et là, ça ira plus. Voilà. Là on est sur du MK2 à vitesse MK2. Là on repart sur du MK1 mais on n'a pas besoin de beaucoup plus. On n'a pas besoin de plus en fait. Parce que tout est bien réparti. La manière dont j'ai fait, ça va charger, donc ça va mettre plus de temps à charger celle du fond, mais ça c'est pas un problème. Ça je m'en fiche. Vous voyez là, ça va bien MK2. Ça, ça fait sortir plus que ça. Impeccable. Et... Tout là il y a de l'eau, tout est rempli d'eau, on voit tout ça, tout ces trucs là sont... Bon là ça produit un poulet d'élec quand il y a du charbon qui arrive. Moi lui il est vraiment le plus loin de chez le plus loin quoi. Hop, il en produit de temps en temps. Il est parti, je vais reprendre. Ça sert à rien. Une fois que c'est lancé, il n'y a plus besoin. Et important, alors je sais pas si ça... J'espère. Combien j'ai ? Oh, 300 mégas. Hop, c'est qu'on va relier au reste du réseau. Là on voit... Capacité 750. Quoi ? Ah, ça doit être parce que tout n'est pas encore... Ouais, ça fluctue. La production fluctue. Curseur au bon endroit. Oui. Oui, donc c'est normal, c'est le temps que ça se remplisse. C'est le temps que tout ça se remplisse. Après, si on regarde ça, on est à 40. Ça, on devrait être à 20. 40. Ah bon, okay. Là on a rien. Ah bah. Là on a rien. C'est bizarre. Rien.
Après, bah, ça va remplir en priorité le reste. Hein. Celui-là est rempli en priorité. Je me suis pas trompé dans mes calculs. Hein. 15 par minute. Ouais. 220. 10 par 15, 8. Ouais, non, c'est ça. Hein. Au niveau de l'eau, on a 45. 45.8. 60 divisé par 120. Ah. 10 par 103. Ouais, c'est ça. Sur moi, ça. Je suis pas fou. Il tourne pas, lui. Ouais, ouais, non, là, il ne tourne pas parce que la production d'eau a pas besoin, l'eau a pas besoin de produits. Ouais, ça se remplit. On voit, il était à 40 tout à l'heure, lui. Là, il est à 60. On va lui donner un petit coup de main, là. Tout ça, on avait du charbon en rabe. On va en remplir un. Comme ça. Un de plein. Presque deux de plein. Alors là, c'est pas... Ah, c'est pas non plus... Il me reste pas des... Ah, il me reste pas assez. Sinon, j'aurais bien dit, bah... Là, j'envoie un MK2, mais ça va pas être assez. Ce que je peux faire à la rigueur, je sais pas si ça marche. C'est de dire quoi. Je te mets en pause le temps que tu charges. Je m'en pose les deux premiers temps qu'il charge et qu'il charge les deux autres. Comment on est avec ? Qu'est-ce que j'ai foutu ? Quoi ? Pas des lignes ? C'est bizarre. Je me suis pas trompé dans mon truc ? Non, là il est divisé en deux, puis là il est redivisé en deux. Ah bah non. Bien sûr que je me suis trompé. C'est que là j'ai 60. Non, c'est bon. Non, bah non, non, c'est bon. Alors oui, pour le remplissage, c'est pas petit, mais c'est bon. Là, ça remplit, là, on voit que lui, il est plein. Lui est plein. Et que lui n'est pas plein. Comme ça, de ce côté-là, là, les deux là, ils vont se remplir uniquement. Donc un coup d'un demi par seconde, donc un toutes les deux secondes. Lui, il est plein. Lui, il est encore rempli. C'est bizarre. Ah oui, mais non. C'est vrai que... Ah, oh, bah dis, j'ai... C'est vrai que je les avais remplis, j'avais rempli manuellement, lui. Je l'avais foutu un coup de boost, là, manuellement. Parce que mine de rien...
Là j'ai 800, enfin il faut que ça crache 800 de charbon ce machin là. Ouais. Bon les deux là on avait dit que c'était rempli. Donc je vais avoir tout pile ce qu'il faut moi au niveau de la prod. De toute façon, c'est un système qu'il faudra faire évoluer quand j'aurai amélioré la production de la centrale, parce que bien évidemment, avec les limaces, on va pouvoir booster la production de nos centrales. Bon, là, on n'a pas les technos nécessaires. On va pouvoir booster la production des... Des foreuses, pardon, des limaces d'ailleurs aussi. Mais ça sera plus tard. Avec ça, là. Lui il est presque plein. Lui aussi. Oh. Ah oui, j'ai mis toute la chaîne. Ah putain, j'ai mis toute cette chaîne là en production interrompue. Bon, c'est tant mieux. Et je vais alterner, je vais faire l'autre chaîne après. Une par une. Voilà. Là, je peux relancer. Tac. Normalement, ma quantité de charbon devrait pas baisser. Elle devrait être toujours à 100. Charbon, tiens d'ailleurs, je vais faire juste un truc, quelque chose. Pas longtemps. Ce que je veux, c'est qu'il y ait bouchon. On va en pause parce que c'est long. Moi, je pensais que ça irait plus vite. Voilà, là il y a bouchon. Normalement bouchon. Normalement ça doit pas rester en bouchon. Ça doit juste être toujours d'affilée. Ça doit être à la queue leu leu, ça doit rester. Ça doit suivre en fait. Bah ça doit suivre comme ça en fait. Ça devrait suivre à peu près comme ça. Sans faire de retour. Moins sur celui-là. C'est bizarre d'ailleurs que ça se... Pourtant ça se bloque, bon. C'est que ça doit consommer un pouille à moins que... Bah non, même pas, c'est bizarre. Allez, parce que celui-là, il a pas de blocage. Celui-là, il a des blocages. C'est étrange ça. Bon. Voyons voir. Ici c'est toujours en train de remplir les deux derniers. Eh ben. Du calcaire. Non, pas besoin, c'est gentil. On a combien là? 4. Oh, ok, 85. On est bientôt rendu.
et 89. Et on va attendre de faire un petit bouchon. Et là, j'aurai, je pense, l'électricité nécessaire avec ça. Ouais, tu me diras. Peut-être pour faire les plaques de fer renforcées et avec un peu de chance, les cadres modulaires. Hop, je pense que dans moins d'une minute c'est bloqué. Voilà, ouais, c'est bloqué. Vraiment moins d'une minute, moins d'une seconde, j'aurais presque dû le dire. Donc on va relancer. On va relancer. On relance. Voilà. Donc là j'ai tout qui tourne à fond. Pas avoir de trou normalement dans le. Dans l'alimentation de charbon. Théorie, c'est pas censé s'arrêter non plus, mais c'est pas grave. Dans ce sens-là, c'est pas un problème. Dans l'autre, ça m'aurait. La question, c'est. Ah ouais? Ah ouais, mais c'est parce que j'ai pas lancé l'alimentation du gaz. On est en tout à. C'est parce que je vais calculer ça. Qui est là, ok, faut le zapper. J'ai totalement zappé. J'ai pas de charbon sur moi, j'ai pas de charbon sur moi. Donc j'ai ça, donc j'ai 630 et j'ai une conso de 65. Donc je dégage un excédent de 535. Donc je pars sur le principe de ma consommax, quoi. Ça, c'est, ça doit être l'eau, ça, ou un truc comme ça qui t'entend. Temps en temps. Ouais, je produis un pouilla plus d'eau. Bah non, non, j'ai tout ce qu'il faut. Ouais, c'est bizarre. En eau, il n'y a pas de manque. Hein. Non, normalement, en eau, il n'y a pas censé avoir de manque. Il manque bien des deux côtés. Ceux où à la rigueur il y a plus de manque, c'est ceux-là. Ah ouais, c'est clair. Galère un peu, ils sont pas censés. Hein. Ouais, ça augmente les fluctuations. Écoute, je laisserai tourner un peu, je verrai. Hein. On va relier ça au réseau qui est là-bas. Et d'ailleurs, vivement que j'ai du transport. Pas ça parce que ça c'est voilà mais que j'ai un bon transport de pour me permettre de venir là. Bon, on va s'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui, hein. Voilà, on aura réussi à faire notre premier nos premières centrales, notre premier lieu de production d'électricité, j'ai envie de dire. On s'attellera à faire le reste un peu plus tard. Toujours sur le même principe. On va juste couper le cul. Si vous êtes dans un peu aussi gros. Parce que là on a vu que ça remontait un peu. Voilà. Ah, c'est... Ouais. Peut-être que ça passe pas. On verra.
sinon c'est très bien comme moteur. Moi je vous propose de me retrouver en tout cas très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi celle-ci. Je vous dis à la prochaine, c'était Thiago. Ciao.